Hey. Bon, Hey. moi, ma question, alors, c'est la question sur la saga Need for Speed. Vu qu'en ce moment-là, elle est pas trop d'actualité. C'est quoi le meilleur souvenir de chez Need for Speed? Alors, en jeu ou en En jeu, souvenir? oui. Alors, en jeu, Ouais. moi c'était Bien. les premiers Mario, j'étais sur PS1, c'est Need for Speed 3, je crois. Ouais. Que m'a vu bien kiffer parce que c'était les... bon là franchement les regards a fait maintenant elle est dégueulasse les gars ils piquent les yeux morts Ouais, mais n'avait le c'est petit mal. côté n'avait les flics t'es pointés haut et franchement t'es belle ouais n'avait le petit côté les flics qui bombardaient haut m'avait kiffé ça à l'époque Ouais. mais pense que était beaucoup avant je fais ça chez des potes mais après le vrai le premier Need for Speed ça m'a vraiment accroché et m'adore dessus c'était Need for Speed Underground le son était puissant le Bunnycourse était puissant donc le Underground, Malador sur le 1, sur le 2, et bien évidemment, comme tout le monde, le Carbone. Voilà, moi, c'est les trois meilleurs parce qu'on avait un côté vraiment axé sur tuning et course de rue de la nuit. Et mitaine bien l'ambiance et le Bunnycourse, c'était terrible pour moi. Voilà, moi, c'est mon meilleur souvenir là-dessus. D'accord. Et Tony? Alors, moi, j'ai commencé à jouer à Need for Speed Underground 2. C'est le jeu que j'ai vraiment saigné, mais de A à Z. Franchement, c'est le jeu que j'ai vraiment kiffé parce que c'était le premier jeu de bagnole qu'on peut customiser de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, franchement. Mais après, l'autre jeu que j'ai vraiment le plus kiffé, le meilleur, franchement, le meilleur Need for Speed que j'ai joué aussi, mis à part Need for Speed Underground 2, c'est Most Wanted. Ah Avec ouais. la liste noire, C'était tu dois défier les membres de l'équipe. c'est celui que j'ai fait le Surtout avec plus, les Most Wanted. poursuites des keufs qui sont ultra difficiles à s'échapper au bout d'un moment. Putain, les flics te Et lâchent pas, putain. ah oui, te lâche pas. Et je sais pas combien de manettes j'ai cassé avec la PS2. J'ai cassé beaucoup de manettes à cause de ça. Est-ce que ça te rappelle dans Need for Speed? Mais qui est pas plus ancien, mais moi, je me rappelle encore, mais t'es beaucoup plus jeune, et j'en trouve, comment jouer le Underground, me rappelle la sensation quand t'es comment jouer, écoute, comment se gagne le NOS. Car t'es terrible, parce qu'on avait point trop ça dans les jeux avant, hein. Quand t'es comment jouer, après t'es bombardé le NOS là, la vitesse était barre de le jeu. À l'époque, en tout cas, il t'a fait péter mon tête, et me rappelle, justement, Charine t'es en train de dire ça, dans le chat, le Underground et le 2. Moi, me rappelle aussi des musiques, que ce soit Rider on the Storm, ça c'est dans le Carbon Underground qui est plus, n'avait des sons, t'es terrible dedans, et le son, t'es joué sur beaucoup dans les courses. Franchement, les courses m'avaient kiffé au niveau gameplay, et où t'es dedans, où t'écoutes manette, comment t'es pas dedans en même temps, où t'es chante en même temps, t'es trop plané, hein. Ok. T'as cher à voir quand même, ça. Moi personnellement, bon, le Need for Speed qui m'adore du sud, quand on m'a acheté, me rappelle, m'avait acheté ça d'un magasin de John Bosco à côté Montréal là. Il m'a rendu le magasin, était avec mon grand frère, c'était mon anniversaire, il m'a acheté le jeu. Il me voit Need for Speed, me regarde, c'était le jeu qu'il m'avait acheté sur GameCube à la base. Et là, il voit C'était. l'intro, démarre le jeu direct. Oh la musique, l'intro, l'incroyable, franchement. Hein. Attends, M'a c'était pète des laquelle? manettes GameCube du jeu. Hein. Avec la BMW M3. M3 La musique. GTR, C'est yes. cool. Effectivement, on me rappelle. Le Les affaires, Zimaran, les le floutées. Zimaran. Les affaires, les floutées. Mais à l'époque, comme t'es en train de mettre les standines en forme. Allez, ça C'était date, hein. vrai. Il était flouté à mort, les vrais. En regardant là, on en a compte que. Mais à Bien l'époque. sûr, et elle est faite En quand fait, c'était au bout d'un effet de vitesse, un effet un petit peu, mais. Voilà, même. l'effet de vitesse, et on dit, oh, t'es les affaires en forme. Mais en fait, là, on regarde ça maintenant, on fait, ouais, ok, on a fait du Forza, elle est bon, hein. Parce que quand le jeu commence, le tentative d'annuler les consignes de sécurité, dire attache ceinture en Alors. vrai, après rien à faire. Les musiques qui passent crème dans le jeu, quoi. La Ouais, franchement. customisation, moi on avait des choix limités de véhicules, mais on avait des voitures qu'on te reconnaît facilement. Du coup, on entend le musique. Direct, il penche dedans, franchement. Incroyable. Alors, est-ce que nos flags du coup là avaient un Need for Speed aussi la marque Ali? Parce qu'on n'a pas encore entendu Ah, moi, Ali. c'est Most Wanted. Moi, c'est tout ce que j'aimerais, c'est que le jeu là il revient, mais bon, après, vu que les studios l'a fermé, après elle a été repris par EA Black Box. Après, c'est un autre sujet devant moi, mais pas juste des Ouais, là, flux. ça a eu un changement, m'y crois, de concepteur, et ça aussi, là, change le truc. Là, on a une petite phrase de Charine qui dit à nous, par contre, Most Wanted introduisait la mécanique de casser le décor pour détruire les voitures de flics. Ouais, exactement. Voilà, là, le logo là, les gars, alors, on a un temps de boss d'un magasin de tuning, et me rappelle, on a 206 là passé, et genre, le gars, il dit, on a les droits des stickers, en fait. Et il monte à le catalogue, le magasin. Il était bicon, était pire avec le catalogue, les gars. Le bande de 7 est vilain, c'est bonne vieille clown, bonne vieille affaire, comment. Il m'avait mon catalogue sur mon genou. Et là, je suis regardé, comment, il me dit, pas trop joli, hein, mais regarde ça. Et du coup, il m'avait mis plein de modèles, vues vidéo. Et voilà le Most Wanted là. Donc, tu vois le logo noir là, il m'avait mis ça en carbone.
Il m'avait mettre le blanc en argent. Il m'a fait ça, mais en fait, en gros, il m'avait pas le droit de faire ça. Parce que normalement, on peut pas prendre un bon logo. Faut la licence. Donc, il était un peu. Bon, après le magasin était employé à moi et il était pas mort, rien, mais normalement, il n'a pas le droit de faire ça. Une anecdote, c'est Need for Speed. Et en plus, le logo, il pète les gars. Le logo, il blesse. Ouais. Le gars fait le logo, franchement, et respect. Hein, parce que. Moi, maintenant, question pour vous autres, c'est quoi? C'est peut-être une réponse à ça. Mais pourquoi les vieux Need for Speed l'avaient autant marqué à nous? Et pourquoi les derniers Need for Speed comme Need for Speed Heat ou celle-là sortie juste avant là, Need for Speed sur PS4 là, pourquoi les jeux la fin flop en fait? Et bah, moi je peux te dire tout de suite, c'est depuis que Blackbox a été licencié et que Electronic Arts a racheté le studio de ce qui faisait le jeu Burnout, je sais pas comment ça s'appelle, Criterion Games. Voilà, depuis que Criterion Games a mis la main dessus Need for Speed, c'est là où tout a basculé en fait. C'est ça qui a fait que le jeu a commencé l'année. Voilà, c'est ça qui a fait le jeu parce qu'en fait, vu que Criterion Games, il a fait le Burnout et c'est Burnout, c'est vraiment pas vraiment un jeu basé sur du tuning, c'est vraiment un jeu d'action, d'arcade, où tu exploses des caisses et tout comme ça. Donc ils connaissent pas vraiment, comment ça fonctionne et tout. Mais ben, c'est là que ça a commencé à faire des flops. Et aussi Tony Miko, Pao, désolé. Et aussi, comme avant, parce que c'est Criterion, alors, pour la licence Need for Speed, comme t'es dit, maintenant, elle est plus basée sur le arcade, un effet comme ça. Les trucs des, comme Benno, ils cassent, ils bourdonnent des corps. Mais avant ça, c'était les Need for Speed 2015, c'était les Ghost Games. Tu te rappelles, le Need for Speed de 2015. Comment appelle Ghost Game? Et le Ghost Game, franchement, à la fois, tout le bon Need for Speed. Moi, j'ajoute tous les Need for Speed sur PS4, le 2015. Même s'il m'a platiné comme un gros couillon, on m'a platiné, mais bon, ni goût ni sans saveur. Le Payback aussi, ni goût ni sans saveur, et qu'il m'a platiné comme un couillon aussi. Bon, mieux d'en platiner, c'est la seule chose. Ben, franchement, on a fait la pointe goût, quoi, ou jouer, ou suivre l'histoire, mais sans plus, qu'on n'a pas. Il manque pas les flics. Il manque un petit grain de sel et. Oui, il manque un petit peu la sauce. Il manque un petit peu la sauce. Regarde ce qui s'est passé. La police est molle, frère. La police est aussi molle qu'un frite, frère. Moi, j'ai jamais vu ça. Franchement, c'est ignorant. Regarde ce qui s'est passé dans Need for Speed Payback, développé toujours par Ghost Game. T'as des causes de poursuite où les flics sont vraiment très bourrins. Et franchement, ça, c'était vraiment bien. Mais l'inconvénient, c'est que c'était, comme Barcha, tu as dit, les flics, c'était vraiment de la merde. Parce qu'en fait... peu importe le circuit que tu feras, arrive à la fin, que tu vois le flic, il s'arrête, il te poursuit plus. Donc c'est l'IA, t'es 100% en fait. C'est l'IA, t'es prêt. Mais reviens sur 2015, les flics, pour moi, c'est le pire IA de flic. Ou pas acheter un lotonneur, ou tu n'aimes pas du tout, ou prends un vieux Toyota Truino, ou sème le banga à 20 l'heure, frère. C'est quoi ça? C'est quoi? Ton vélo, le gars, il dépasse les flics, frère. Le gars, la chance de voir. 20 km à l'heure, il gère. Sans os, ou dépasse les flics. Non, mais. Mais est-ce qu'on avait un mode de difficulté? Est-ce que dans le jeu de les jeux là, où tu peux pas changer la difficulté? Non, on peut pas. T'es directement implanté dans le jeu, en fait. T'es la difficulté normale. Ben, là, nous revient. De charger facile, normal à faire. Voilà ce que vous dites, nous revient à ce que regarde sur cette note là, c'est-à-dire la difficulté dans les jeux. Et là, il est vrai que les jeux d'avant, même PS2, PS1, n'avaient bon jeu, où t'es joué, n'avais la difficulté. Et c'était le mode normal, c'est-à-dire que t'es chié pour finir le jeu, et t'es fait down sur le jeu. Et on a l'impression qu'on a beaucoup de jeux comme ça, où ça peut-être les gens disent aux autres, allez, il faut peut-être nous rendre le truc plus facile pour qu'il fasse tout public. Et peut-être qu'un joueur, par exemple, un rageux qui va lâcher le jeu, voilà, ben, il va dire, bon, ben, il réussit dessus, donc il sent moins fort dessus, donc il va acheter le prochain. Et il est dommage parce que, comme on dit, des fois, ben, on voit des PNJ. Nous, on a tous eu un jeu comme ça, où ça nous jouait, et nous disait, ben, le PNJ, les pièges, c'est quoi le train? À même, pareil, qu'on a fait un jeu comme Metal Gear, par exemple, où ça, franchement, il est bien dosé, le bon truc. Des fois, on arrive sur bon jeu, et genre, Aragami, frère. Aragami, Tony pourra dire, Aragami, des fois, nous t'es pas ce côté bonne garde, nous t'es ben, coup de couteau, nous t'es chier tout. Le bon gars, il voit à nous, il réagit pas. Ben, il y a un problème. On a l'impression, des fois, de les doser un petit peu en mode, comme dit Yukio, et programmer. Programmer avec le cul. Mais c'est ça qui fait la force des jeux comme Sekiro, des trucs comme ça, parce que les hardcore gamers qui veulent vraiment la difficulté, ben, on va barrer sur un jeu comme ça. Et, les dommages, regarde même Forza, par contre, ça me trouve Forza, les belles, parce que Forza, du coup, moins mal à jouer. Bon, après, mais il est pas un grand joueur, l'auto, affaire, mais il trouve les bien dosés à difficulté.
Et Mala commence à monter un peu dedans. Tony allait jouer en dernier difficulté, mais qui est le dernier. Mais imbattable. Mais prouve que franchement, il est bien dosé. Et en plus, il peut changer la difficulté. Et il est génial. Alors, c'est pour ça que Electronic Arts a réagi là-dessus. Parce que vu le gros flop, parce que le dernier Need for Speed qui est sorti, c'est Need for Speed Heat, développé par Ghost Game, toujours par Ghost Game. Ghost Game. Cet éditeur, il a vraiment tué la licence, mais vraiment grave. Hein. Il n'y avait aucun contenu. Une fois que tu as fini le jeu, il n'y a plus rien. C'est fini. Tu peux ranger ton Need for Speed au placard. Alors, c'est pour ça que Electronic Arts a réagi. Il a décidé de licencier Ghost Game. Ouais. Et racheté Commaster. Et du coup, le prochain jeu Need for Speed sera édité par Commaster. Qui sera bientôt dévoilé prochainement, peut-être en 2020. Mais est-ce que vous pensez où que Need for Speed, avec les est-ce qu'il est possible encore pour lui de. Bon, mais ça devient un truc, mais moi-même, la réponse. Est-ce que vous pensez qu'il peut détrôner un jeu comme Forza? Un jeu qui fait déjà 100 gigas avec beaucoup de contenu. Est-ce que vous pensez que Need for Speed, il a encore moyen de surfer sur la vague? Moi, ce que je trouve étrange, c'est que. Au cinéma. Mais il y a un train de retard. Hein. Il y a un train de retard, je pense. Hein. Même chose, il dit Underground 2. Underground et Carbon, c'est le meilleur transport de monde et Most Wanted. Franchement, pour répondre à ta question, je dirais oui et non. De quoi? Oui, pourquoi? Ce sera peut-être sa dernière chance parce que 2022, vu que Electronic Arts a racheté Commaster, et Commaster, c'est pas n'importe quelle licence. Commaster, c'est vraiment. Qui a fait des jeux de bagnole, du genre Dirt, des séries. Les jeux de rallye. Parce que, mais ça devient un phrase juste avant. Moi, ce que je trouve bizarre, c'est que, au cinéma, le film de. Bon, mais dis bien de course, même si c'est plus un film de course, c'est un film d'action maintenant. Mais le film le plus cartonné, c'était les premiers Fast and Furious. Banal là, essaye de passer en jeu vidéo, là, a été un flop total. Et Need for Speed, à l'époque, c'était le roi des jeux de course. Là, essaye passe au cinéma, la fin un flop. Donc du coup, voilà, on peut pas gagner sur les deux terrains. Et mais je trouve dommage parce que Need for Speed, c'était le jeu, si nous parlons de ce que je suis en train de dire et ce que Napo parlait tout à l'heure, même les Most Wanted, les premiers Fast and Furious n'avaient ce côté-là en fait, ce côté flic, tuning, maintenant comment. Et je pense que si Banai exploite ça et que Banai fait vraiment un truc, mais travailler en mode cinéma frère, être fait pète la tête et Banai mettre ça en jeu, d'une manière, mais c'est pas concurrence Forza parce que ce serait un autre terrain du coup, mais d'une manière fait un truc où ça fait pète la tête. On aurait dit, c'est redorer son blason en Need for Speed. Pas sûr, pas si Forza, mais redorer son blason en Need for Speed. Voilà, redorer son blason. Là, comme je vous ai dit, il peut pas détrôner Forza. Mais si Banai irait des autres créneaux, à la fin de Furious, justement, c'est ça, il faut pas, les comme FIFA avec PES, les gars, il faut pas essayer de copier, faire autres à autre sauce et faire autres idées manques à autres. Sinon, ça, il est mort. Alors, du coup. Que... l'année 2022, parce qu'ils vont sortir un Need for Speed de cette année 2022. Quand Electronic Arts a fait leur conférence en août, ils ont teasé où on voyait une Porsche 911 GT3 modélisée. En anglais, ils ont dit que pour l'année 2022, ils vont sortir un Need for Speed et ce sera vraiment la dernière chance. Et si jamais le jeu ne marche pas, ne va pas vraiment bien vendre, mais ce sera la fin de la licence Need for Speed. Ok. Et j'espère que Commaster fera... Banai arrête du tout. Ils arrêtent complètement, ils arrêtent totalement. Là par exemple, s'il a floppé, Banai arrête du tout. Donc Banai n'a pas intérêt pour Azot. Il est dommage, t'es un bébé de saga, comment qu'on voit des kills, comment il fait chier. Il fait mal au cœur, franchement, frère, il est comme PES. Ce que Electronic Arts s'il veut, parce que regarde ce qui s'est passé depuis Need for Speed 2, Most Wanted 2015. Jusqu'à Need for Speed et aussi ouais. La bugue. Et aussi, la bugue. Requin a bugué. Blablabla. D'ailleurs, comme tu veux dire, chez Most Wanted aussi, Zola fait un pseudo remaster. Qui est franchement, il me déconseille à Z de jeu, même si Zola a joué. Bon, pas grave. Mais le 2012, là, c'est un foutage de gueule, le jeu là. Pas de poursuite? Non, pas le hot poursuite, le 2012, là, c'est ce qu'il appelle Most Wanted, là, 2012-2013, je suis sorti, Alors, Black Shark. Là, c'est de la merde, frère. Mais en street, c'est vrai, il n'a pas de. Franchement, t'es dommage. Si ça gagne, arrête, les gars, il est dommage, gars. Parce que, comment, avec des moyens PS1, PS2, nous t'es. Bon, après, c'est la génération, l'évolution, peut-être. Mais comment on t'accroche au jeu, on avait des choses qui t'émarchent. Et comment, avec la next gen et voilà, et tout ce qu'il peut faire maintenant. Si une dernière chose après, il ferme ma bouche. Alors, comme tu peux dire, je suis toujours Most Wanted 2005. Même à côté, les anciens acteurs, elle est toujours là. Josie Maran, Rezor, toute la liste d'or, c'est les acteurs, elle est encore là.
Elle a des youtubeurs américains et avec l'ancienne actrice, si je te rappelle, dans l'intro, quand il attrape le coureur avec la BM, le jeu recherché, ouais. Il dit oh, everyone avec le tantineur, la brune policière, la Bailey. Mais c'est là encore, là, ce projet secret, c'est de faire revenir le jeu, la licence, avec tous les acteurs. Ils étaient en train d'appeler toutes, même pareil pour Carbon aussi, hein. Ils sont en train de faire appel à tous les acteurs là-dedans pour faire revenir la licence. Ouais, il faut, il retrouve la bonne recette et après, il sera bon, quoi. Voilà. La dernière fois que je voulais un jeu de bagnole, j'avais pris Hot Pursuit, là, le remastered et, j'étais dégoûté parce que le volant il est même pas compatible. Juste mon dernier mot sur votre titre, c'est foire pas azote et redore le blason, s'il vous plaît. Sinon, mais bouffe azote. Bref. Oh, le Black Shark, c'est en mode. Attends, mais merci Black Shark, c'est intéressant. Donc, tu nous as ramené dans la nostalgie, c'était très, très, très bien. Franchement, pour la première fois, les gars, et ça va, il casse bien les cuilles. L'ambiance, comme tu veux, dans l'émission, elle est là, donc les chouettes. Peut-être m'a trop parlé, non? Non, franchement, les gars, imaginons. Non, on l'a bien lancé. Nous t'éconnais pas, ça fait 2 heures, et là, frère, pour l'instant, nous cale 2 heures. Bon, allez, les amis, vous avez ce petit bouton YouTube, Renault Gaming Group, partage de monde, dis pas, gars, viens partager, viens abonner, pareil pour le Twitch, et bisous tout le monde, on a trouvé.